Assalamualaikum, mbokk yi si aussi Daari Technologie, dans les jàmm si cette nouvelle vidéo. Alors tay gii ñu wara gis lu ama am solo, ñu koy wax le DOM HTML. Alors donc le DOM HTML, voilà, donc ñu basculer déjà. Mu doon benn affaire bu grawa 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 grawa. Donc déjà ma wol leen nan lañ koy jàngee. Donc fii créé naa benn dossier boo xam ne maa ngi ko tuddee 24 le DOM. N'est-ce pas? Si dossier bob non, fi def na fi même ben erreur donc explication.html donc fi index.html lay don donc c'est explication.html oui faut aller expliquer carrément la notion de DOM etc. et tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le DOM mais croyez-moi c'est pas difficile hein? Voilà donc après il y a aussi index.html ici on va apprendre tout simplement n'est-ce pas les méthodes et les objets n'est-ce pas du DOM HTML. Donc déjà, donc partie explication bi amna ben préparé na len par exemple ben genre sommaire bu ndaw bo xamné mom lañuy suivre. Donc fi dina len expliquer lan moy DOM HTML, importance du DOM HTML, donc les objets note ou nœud du DOM, lol dinañ ko gis, les types de nœuds dinañ ko gis, n'est-ce pas? Type de nœud mom la liste fofu, les interfaces du composant le DOM, donc les interfaces Windows, event tag note etc. tout ça on va le voir. Les propriétés et méthodes de l'objet document. Donc, l'ISA, man gen ko écrire, bind ko si sen fichier explication.html. Les méthodes d'accès aux éléments HTML, méthodes d'accès aux attributs HTML. Donc, fichier aux attributs HTML. Dinen gis les méthodes d'accès au focus d'un élément HTML, les méthodes d'accès au contenu HTML et les méthodes pour la mise à jour et la navigation dans le DOM. N'est-ce pas? Donc, entre les différents éléments du DOM, quoi. Les méthodes de l'objet class list, n'est-ce pas? Yep, dina ko yatal inshallah. Donc dina don vidéo, plusieurs vidéos en même temps. Mënul don si ben vidéo tout simplement parce que da fay xawa bari. Donc sama gars, ñu daldi directement attaquer si c'est quoi le DOM HTML. Alors, li ngeen wara comprendre moy en réalité nakatay navigateur bi boudé da nga lancer ben page. Donc xam nga ñun boy créer ben fichier, lan ngay def bu xolé bu baax. Je vous montre ici, je ferme tous les autres fichiers, close other. Pour lancer les structures page B, le navigateur du monde, il fait Madame Hall chaque balise, chaque attribut, chaque contenu d'un attribut, chaque contenu d'une balise, il fait remplacer par un objet. Donc, juste pour moi, fait directement, donc fait ici par image. Donc, si vous voyez, par exemple, une structure, vous avez doc type, balise HTML, balise head, si vous balise head, vous avez balise title. Maintenant, si vous balise title, vous avez par exemple my title. Puis, vous avez balise body, n'est-ce pas? Vous avez bien un lien, my link. Puis, par exemple, vous avez H1, my header, etc. Donc, ce que vous avez structure, vous avez le navigateur, vous avez créé après. Donc, le navigateur, vous avez créé. Madame. Document bi nga amone fi doctype html n'est-ce pas ça représente tout le document manam document yep n'est-ce pas navigateur bi day créer ben objet document li ngay day gis ni par exemple mu donne ay rectangle ay objet là avant may avancer da ngay wara comprendre que ni heure bu ma waxe objet rek xamal ni objet bobu nonu mën nga ko utiliser pour appeler ben méthode wala appeler ben propriété utiliser nan ko de manière indirecte sans pour autant ngeen xam ko dama leni jox juste des exemples donc c'est application bi nga xamni créer won nan ko donc n'importe où hein, ça peut être sur les applications ici ou bien sur les cartes lan la do gis document point déjà heure bo gisé point quelque chose rek par exemple point quelque chose point là quelque chose xamal ni li ka précédé c'est un objet nonou man ngeen ko identifier par exemple objet yi manam heure bo gisé point quelque chose rek li ka précédé c'est un objet lolou dama bëgg ngeen duggal ko ci sen ciukel yi dañ ko génné ci sen ciukel yi heure bo défé point quelque chose li précédé point bi c'est un objet alors donc fi man nan wax ko ni document est un objet. Alors, légui bo amé objet, lan la wax, mën nga appeler ay propriété wala mën nga appeler par exemple ay méthode. Légui fi par exemple li ni ñuy appeler, nan la né xamé ni propriété la wala méthode, boudé dafa am paire de parenthèse méthode la, mais boudé amul paire de parenthèse propriété la. Xam nga li ni amul paire de parenthèse, ça veut dire que li propriété value propriété la. Mais par exemple, boudé dafa am, gis nga li ni dafa am paire de parenthèse, ça veut dire que li méthode la. Donc li ni objet la. N'est-ce pas les méthodes là mais gisso fi par exemple dañu am point value ça veut dire que li ni aussi bo xolé bu baax objet là mais après dinañ jang lan mo tax mu don objet donc pour le moment damay ñew nank par nank lima bëgg ngeen comprendre ko pour le moment moy heure bo gisé point quelque chose li précédé point bi objet là
et que heure bo amé objet mën nga appeler ay méthode wala mën nga appeler ay attribut get element by id bi nga xamné dañ ko do utiliser c'est une méthode query selector commencé won nañ ko utiliser méthode là etc etc donc lool lepp dinañ ci ñëwaat mais légui xol leen fi fi lan lañ wax par exemple document bi objet la manam bép cadre bo gis fi rek xamné objet la objet bi ça représente tout le document html en réalité mom moy document bi nga xamné mom ngeen gissone par exemple ñu ko do utiliser fi document bi ni voilà légui après ñu ni lan root element html donc amna benen objet bu ñew mu ni objet ban la mu ni l'element racine moy balise html bi ñu daal di xol nak te balise html bi ngeen gis objet la ah d'accord comme balise html bi objet la ça veut dire que objet bi meun nga ko utiliser pour appeler ay méthode japp len lolu heure bo amé objet meun nga ko utiliser pour appeler ay méthode wala propriété ñu daal di dello ñu ni fi amna element head ñu ni ah d'accord element head bi fi dalay montrer arborescence bi manam navigateur bi moy tracer li yow li ngay bind en réalité mais navigateur bi li la kay def ci ginaaw donc li ngay bind mais navigateur bi mom moy jël balise bepp balise bu mu gis wala bepp attribut bu mu gis wala bepp par exemple contenu html bu mu gis da kay créer comme un objet da kay transformer comme un objet donc je vous montre juste pour me rappeler len li xamna ni xam ngeen ko mo taxone par exemple ma joxe fi ben exemple balise yane balise mo am waxon na ni par exemple balise un élément html c'est la même chose que balise hein? Donc est composé quoi d'une balise ouvrante d'une balise fermante ak ce qu'on appelle les attributs man na am aussi contenu légui navigateur bi boudé nga créer arborescence bi manam une structure d'une page html da fay jël par exemple balise yépp mu transformer ko comme étant des objets mais dou ci yam attribut yum gis rek daf kay transformer en objet mais contenu aussi bum gis rek daf kay transformer comme objet mais même commentaire daf kay transformer comme des objets même manam ligne vide yi ni ngay gis ni ligne vide yi manam espace vide bi daf kay transformer comme un objet donc lolu ce qui fait la force de javascript après di ngeen ci xam dara donc fi kon li ngeen wara japp me reprendre donc document bi yépp objet la manam document bi nga xamni mom ngay travailler je vous montre fi wu ma ñëwé ci page index.html document bi yépp da kay considérer comme étant un objet d'accord ñu ñëw ñu ni ci document bi ci bopam amna ben balise html ñu ko dédét ñu daal ñëw fi ci document bi amna balise html mu ñu balise html bobu nonu ci bopam objet la bu len faté ni lepp luy cadre ici objet la ñu ni ñu ci balise html bobu am nga fi ben élément manam élément mu moy balise bu len ko faté mais élément bi balise head la ñu daal di génn ñu xol voilà c'est vrai ci balise html amna balise head mu ñu balise head bi objet la ñu ni ko ah bon mu ñu waw ñu ni mu ni ci balise html bi amna balise body ñu xol donc balise html amna balise body nek té balise body bi objet la aussi mu daal ñuy wan ci balise body amna ben balise a ak ben balise h1 donc ñu daal di vérifier ci body amna a ak h1 ñaar yépp ay objet la mu ñu ci h1 amna ben texte manam ben objet de type texte ñu daal di xol ci h1 amna ben objet mom moy my link bi ni donc ci balise bi amna ben texte moy my link bi ni donc ci h1 bi aussi amna texte my link ñu xol ba xam tracer nako donc ci h1 bi voilà amna texte n'est-ce pas ci a bi aussi amna texte mune ñu aussi a bi n'est-ce pas amna ben attribut href n'est-ce pas de ce bo xolé a bi amna attribut href ñu vérifier ko ci a bi amna attribut href donc nak den navigateur bi mom ni la kay comprendre ni lay transformer affaire manam balise par balise attribut par attribut balise bi attribut bu mu am da koy génné etc et tout ça bu document bi yépp jeex document bi lu mu gudd navigateur bi daf koy transformer à un modèle de page, n'est-ce pas, d'objet. Toutes les balises doivent être transformées comme étant des objets. Tous les attributs doivent être des objets. Tous les commentaires doivent être des objets. Mais aussi tous les contenus, n'est-ce pas, des balises doivent être considérés comme objets. Maintenant, modèle d'objet, bobu nono, navigateur veut créer, par exemple, ce ginaaw, lool la ñu wowe le DOM, document, object, modèle, un modèle d'objet de document. Est-ce que sama gaay lool leer na, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui fait que li ngeen wara comprendre moy li gëna graw ci lolu moy li ma leen wax sank manam heure bo amé objet di nga mëna utiliser par exemple ay méthode lolu dañuy ñëw par exemple ci importance du DOM html donc fi c'est quoi le DOM bo expliquer nako ba paré navigateur bi manam structure page bi ngay def page bi lu compliqué navigateur bi daf koy transformer de bép balise mu transformer ko objet xol bép attribut mu transformer ko objet bép espace mu transformer ko objet bép commentaire mu transformer ko comme étant des objets maintenant ci ginaaw da fay créer un modèle de document d'objet donc lolu lañuy woy DOM html document object model OK donc importance moy lan manam DOM html daf lay permettre après nga am objet yi manam bép balise bo japp rek
ding ci mëna appelé ben méthode bip balise bo am accès rek ding ci mëna appelé ay méthode bip espacement yi sax da ngay mëna appelé méthode commentaire yi sax da ngay mëna appelé méthode etc attribut yi sax da fay am par exemple seen méthode bop manam bip attribut par exemple gagneu par exemple ci ben qui supposons que ben div bi am par exemple attribut id bi test donc fi bo accéder ci id bi mën nga am par exemple ay méthode yo xamné da fay permettre nga modifier valeur bi wala nga supprimer ko wala nga remplacer ko par lanen etc etc donc après da fay permettre nga modifier toutes les balises html manam dom da fay permettre nga accéder ci n'importe quelle balise ba fay modifier balise bi da fay permettre nga accéder ci n'importe quel attribut nga meuna modifier attribut bi da fay permettre sax nga def des stylisation css automatiquement da fay permettre nga ajouter ay balises depuis javascript hein nga ajouter ay balises de supprimer ay balises etc 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 donc après da fay permettre même nga manipuler par exemple les événements buñ cliquer fi defal li buñ cliquer fi etc etc donc lolu moy importance bi donc importance bi je répète le dom html da fay permettre nga manipuler lepp li balise manipuler lepp li attribut manipuler par exemple les événements en html maintenant si dom da nga wara comprendre que le dom norme la bo xamni c'est une norme de w3c w3c mom la lay wax world wide web consortium. Maintenant, World Web Consortium va séparer DOM en trois parties différentes. Aujourd'hui, on parle de Core DOM, de XML DOM et de HTML DOM. Donc, Core DOM, modèle standard pour tous les types de documents. Bodé gagné XML DOM pour les fichiers XML Cassella. Nous, on parle de HTML, donc ici, on va parler de HTML DOM. HTML DOM, c'est un modèle standard pour tous les documents HTML. Donc, LOL aussi, c'est à comprendre. Maintenant, les objets notes ou nœuds du DOM. Mais regardez, navigateur bi vous transformez les plus éléments, madame, les plus balises, les plus attributs, les plus contenus. D'afflin après, d'afko yo benen tour, benen appellation, madame nœud. Il n'utilise pas le terme, xam nga, attribut de balise, contenu de balise. Mais lepp d'afko yo wé nœud, d'arri lene catégoriser. Mouni balise yaw nœud, attribut yaw nœud. Texte bi neul commentaire bi neul ba paré après daf koy jox tour lolou motax mu neex fi na li le type de neuk manam boudé balise on parle de element note donc element html yag na len wax que ni balise lay signifier donc boudé balise ici avec le dom html on utilise un autre langage element note manam balise note element note boudé attribut n'est-ce pas dom day wax attribut note boudé par exemple contenu là comme fi texte là n'est-ce pas dañuy utiliser le terme texte note boudé un commentaire là on utilise le terme comment note boudé tout le document html on utilise document note boudé par exemple le doc type que vous voyez ici n'est-ce pas doc type on parle de doc type document type note donc lolo déjà c'est une introduction bo xamni war ngeen ko comprendre ma baña yaatal parce que la ngeen wara comprendre que ni quand je parle de nœud de type texte mëna donne par exemple plusieurs affaires. Nœud de type texte mëna donne texte, mais nœud de type texte mëna donne par exemple des espacements. Aujourd'hui, quand je vous montre par exemple ci structure bi nga xamné créé nañ ko, defu gun ci dara de base, buma jëlé par exemple, buma joggé par exemple ci balise HTML bi, amna fi par exemple ben nœud, fi on voit par exemple plusieurs branches. Donc quand on part de l'élément du nœud HTML, donc déjà mon nœud le on peut voir par exemple trois branches. Donc première branche puis c'est la balise head qui est là. Deuxième branche puis c'est la balise body et ça va. Et ici par exemple on peut voir même avant balise body il y a par exemple un espacement qui est là après balise body bi do ñew. Est-ce que vous voyez? Donc fi on a trois nœuds li le n'est-ce pas balise body bi espacement bi ni entre balise head bi ak balise body bi amna ben espacement bi fi n'est-ce pas? Donc lolu ne le balise body bi ne le même li aussi ne le donc li nga wara comprendre moy lan moy nœud de type texte balise ouvrante html ak head ak balise ak body je pense oui html et head et balise fermante body html du ko créer donc par exemple espacement bi ngay gis du nœud de type texte bi nek ci head bi aussi c'est pas un nœud de type texte body bi bi nek fi c'est pas un nœud de type texte bi nek c'est html bi c'est pas un nœud de type texte mais lepp lo xamné dafa nek c'est html bi par exemple digënté body bi par exemple fini mo ñëw fi li à partir de fi nœud de type texte lay doon mo ñëw fi par exemple fi nœud de type texte lay doon fi nœud de type texte lay doon espacement bi ma laissé espacement bi ma laissé nœud de type texte lay doon donc à part espacement yi
da nga war a comprendre bépp texte boo gis rek xamal ni aussi ne de type texte la. Donc loolu aussi c'est bien à savoir. Donc parfois c'est des choses yoo xam ni c'est pas facile à comprendre. Mais j'appelle tout simplement que ne de type texte doit apparaître pour deux raisons. Donc soit parce qu'un élément contient du texte, man balise bi man na am texte. Donc voilà balise bi man na baña am texte, mais c'est entouré par exemple. Il y a un retour à la ligne par exemple bo xamni def nga ko. Donc dans ce cas nœud de type texte aussi défait effectué. Donc aucun nœud de type texte aussi n'est créé entre les balises ouvrantes HTML et head. Lol aussi war ngeen ko comprendre. Donc balise ouvrante HTML et head amul ben balise nœud de type texte bu fay créé wo. Donc fini n'est-ce pas espace ba bi fi nga xamni mang koy lal fi amul nœud de type texte bu fay créé wo. Espace ma bi may défiler ni amul nœud de type texte bu fay créé wo. N'est-ce pas aucun nœud de type texte n'est créé entre les balises ouvrantes HTML et head. Da ngeen wara comprendre aussi que aucun nœud de type texte n'est créé entre les balises fermantes body et HTML. Donc par exemple fini amul nœud de type texte fi amul nœud de type texte. Mais bo jélé par exemple meta après espacement bi fi amna nœud de type texte, fi amna nœud de type texte, fi amna nœud de type texte, fini amna nœud de type texte, fi amna nœud de type texte. Document bi nœud de type texte la. Donc lolu c'est des nuances yi nga xamné war nga ko comprendre. Donc ñaar yi ngay sélectionner ci kaw ak ñaar yi ci souf nga ni non. Après ces nœuds-là, après ces éléments-là, nœud de type texte du formé ou manam après ligne ma sélectionné, espacement bi ngay gis du créer nœud de type texte. Après balise head ouvrante bi, espacement bi du créer nœud de type texte. Nga ñeu fait à la fin, après ligne, espacement bi du créer nœud de type texte. Après HTML bi, espacement bi du créer nœud de texte. Mais à part ça, bépp balise bo gis, espacement bi ci top da fay créer un nœud de type texte. Alors, nœud de type texte, bo gisé par exemple ben flèche bo xamné da fay def ni, daari def ni, n'est-ce pas? Jogé ci kaw, dem à la gauche. Lolu da fay dire tout simplement que ce nœud de texte là a été créé par un retour à la ligne. Mudé da nga gis par exemple un signe espace, nœud de texte bi a été créé par un espacement. Mudé da nga gis dièse, si console.log bi, ce nœud de texte a été créé par un texte comme ça, textuellement. Donc lolu c'est à savoir. Donc je pense que c'est assez de choses déjà. Donc je pense que dama yamalé fi vidéo bi. Donc c'était juste de manière théorique pour que ngeen comprendre. Et même que deuxième vidéo aussi, ça va être de manière théorique. On va parler par exemple les interfaces composants du DOM. Et il y a plusieurs interfaces. Figurez-vous, c'est carrément la force par exemple de JavaScript, la force du DOM HTML, avant de commencer carrément la partie codage. Alors, ça me gagne. Moi, je vous donne rendez-vous. C'est une bonne vidéo. Inch'Allah.